Comment ça va Lola depuis tout ce temps? Écoute, ça va. J'ai eu le temps de prendre des petites vacances, rapport au fait que je sois pas très essentielle en ce moment, mais l'album arrive, donc en vrai, un peu stress axe. Non! Tu as 20 secondes pour nous convaincre d'écouter ton premier album, je te le dis. Je te le dis, c'est ma petite pépite. Ça fait 2 ans que je le travaille. C'est de la couleur, c'est du soleil, et en ce moment, on en a besoin! Non! Tu nous chantes un morceau de Pourquoi on s'aime, s'il te plaît. Ta-da! Tout le monde sait son nom. On me saoule avec ses rengaines. Parfois oui, parfois non. Toujours savoir pourquoi on s'aime. Pourquoi on s'aime. Yeah! Pourquoi on s'aime. C'était comment ta rencontre avec Céline Dion. Je l'ai interviewée à l'occasion de la sortie d'une collection de vêtements. Elle est rentrée dans la pièce, elle a dit bonjour à tout le monde. J'avais que 10 minutes d'interview, elle m'en a accordé 30. À 8 ans, je m'étais dit un jour je vais la rencontrer. Je pensais que j'allais la rencontrer à la barrière de Bercy en attendant. Et en fait, j'ai pu rester une demi-heure avec. Et c'est ouf, c'est ouf. Comment s'accepter tel que l'on est? Eh ben écoutez, depuis peu, je peux le dire, je mets des bodys. J'assume ça. J'assume ça, les bourlitos qu'il y a un peu de partout, et je le vis vachement bien. Je sais pas comment on fait pour s'accepter tel qu'on est, mais je me dis juste que si on lutte constamment contre nous, c'est fatigant mes puces, c'est fatigant. Quelles seraient tes propositions pour lutter contre le harcèlement scolaire? C'est surtout en parler. Donc si vous êtes victime de harcèlement scolaire, il y a plein de numéros verts qui sont disponibles, dont le numéro de Net Écoute. Et ce qu'il faut faire, c'est surtout éduquer les plus jeunes et les parents aussi. Parce que, en fait, quand on harcèle quelqu'un, ça vient aussi, des fois, des mots qu'on entend chez nous. Toi, quand tu te prends pour Uma Thurman dans Kill Bill, oh là là Tout le monde sait son nom. Parfois oui, parfois non. Toujours savoir pourquoi on s'aime. Tout le monde sait son nom. En vrai, à qui tu ressembles le plus, Bridget Jones ou Beatrix Kiddo? J'irais Bridget Jones, hein, fatalement, rapport au pyjama très fréquent, rapport à All By Myself sur un canapé seul en train de boire du vin, non, ça ressemble quand même beaucoup à ma vie. Je suis moins souvent en combi latex jaune qu'en pyjama à carreaux. La chanson que tu voudras absolument à ton mariage, la chanson Rude du groupe Magic qui fait « Are you gonna be so rude ?» Lola, la boîte à questions a entendu parler de ta phobie. Oh non, arriveras-tu à boire un ce... Non. Attendez, je peux mettre... Non, non. Ne serait-ce que l'odeur... Ah. Je suis incapable de relever le défi, la boîte à questions. Incapable. Lola Dubini qui reprend du L5, ça donne quoi? Toutes les femmes de ta vie, glamour sexy, l'héroïne de tes envies, je suis toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie. 2021 pour toi, c'est j'ai une relation bizarre avec 2021. On est comme des vieux ex. On sait pas trop si on s'aime ou on s'aime pas, mais moi j'ai tendance quand même à des fois envoyer des textos. Pourquoi on s'aime? Bien sûr, ma puce! Bisous, la boîte à questions!